Bonjour et bienvenue à vous. Dans une vidéo précédente, j'ai montré des traits caractéristiques d'une meilleure plateforme d'investissement. Aujourd'hui, l'astuce, ce n'est pas comment s'inscrire à MalUSDT, mais comment effectuer un dépôt ou un retrait. Tout est facile, mais il vous faudra une toute petite attention. Mais avant de vous dévoiler cette astuce, je trouve nécessaire de simuler une inscription. Désolé de faire patienter ceux qui ont déjà un compte à malust.com. Première étape, cliquez sur le lien d'ouverture rapide http://malust.com/666bi. Je l'ai mis à la description de la vidéo. Vous pouvez également le saisir dans la barre de recherche de votre moteur de recherche. Une page s'ouvre. Elle comporte 7 champs. Ce sont les 4 premiers qui nous intéressent ici. Le cinquième comporte un code qu'il ne faut pas changer. Renseignez votre adresse email. Choisissez votre mot de passe. Confirmez-le à la case suivante. À la quatrième case, choisissez un mot de passe de transaction ou de retrait, car c'est seulement quand vous aurez besoin de faire un retrait qu'on vous le demandera. Il faut opter pour un mot de passe à 6 chiffres. Je vous le conseille parce que si vous enregistrez un long mot de passe, lors du retrait vous pourrez être confronté à un problème d'incohérence de mot de passe, alors que vous n'êtes pas autorisé à modifier vos données personnelles. Appuyez maintenant sur « Enregistrer maintenant ». Vous recevrez immédiatement un message dans votre boîte aux lettres. Allez-y confirmer votre inscription pour terminer. Nous sommes à la fin de l'étape d'inscription. Deuxième étape, connectez-vous. Lorsque vous vous connectez, une bulle d'information apparaît. Essayons de la lire rapidement. Bon conseil. 1. Afin d'encourager tous les membres à constituer et développer rapidement leurs propres équipes pour aider les commerçants à résoudre les problèmes de vente, les activités suivantes sont désormais lancées. Invitez 5 membres VIP 2A et récompensez 12 USDT. Invitez 5 membres VIP 3A et récompensez 62 USDT. 2. Notre équipe n'ajoutera pas de membres de Telegram en privé. Si vous recevez des messages privés de Telegram, veuillez les supprimer. Dans le cas contraire, notre société ne sera pas responsable de toute perte de vos fonds. Les membres fidèles de la plateforme ont accès à une opportunité de super augmentation de salaire et le principal plus commission peut être immédiatement retiré lorsque la tâche est terminée. Ils ont bien fait d'ajouter ce dernier détail car certains pensent que lorsqu'ils font un dépôt et qu'ils ont complété la tâche, ils peuvent retirer le capital et les intérêts à la fois. Ce n'est pas le cas. Lorsque vous rechargez un dollar, après travail vous ne pouvez que retirer 0,375$. Pareil pour celui qui a déposé 5$. Il ne peut retirer que 1,20$ par jour, bien sûr après avoir effectué les tâches. Et ainsi de suite pour les autres niveaux élevés. Troisième étape, la recharge. En cliquant sur recharge, l'adresse s'affiche. On vous demande de vous assurer que c'est sur un réseau USDT TRC20 que vous effectuez la transaction. Si tel n'est pas le cas, vous risquez de perdre votre argent. Copiez l'adresse. Allez dans votre portefeuille la coller puis saisissez le montant de la transaction. Confirmez la transaction. Repartez dans malust.com puis cliquez sur « Soumettre » pour terminer votre opération. C'est ça la petite astuce qui donne parfois la sueur froide à certains. Le retrait est l'opération contraire de la recharge. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, notifiez-le en commentaire. Merci et à la prochaine pour d'autres aventures vers la réussite financière. Au revoir.